Quatre ans après son passage à Brazzaville, à l'occasion du Lost Tower 2018 organisé sous l'ère Raphaël Robert Massamba Debam, ancien président de la Fédération congolaise du sport du travail, décédé en 2020, Evel Malik Atour, président du Losta, a foulé de nouveau le sol congolais le jeudi dernier pour plusieurs raisons. Je suis à Brazzaville pour continuer le travail que nous avons commencé, qui est celui de poursuivre la structuration de notre mouvement de manière à le rendre encore plus visible, à développer des programmes encore plus pertinents, à l'instar des Jeux africains des travailleurs, des deuxièmes éditions que nous envisageons ici à Brazzaville. Célébrer certains valeureux hommes de votre pays qui, par leur contribution dans le sport, aident au rayonnement international de votre pays, au-delà des efforts qu'ils font dans le sport en général, pour ce qui concerne particulièrement le sport travailliste. Ce sont deux motivations principales qui font qu'on ne peut pas éviter l'escale de Brazzaville. Très heureux de recevoir le président de l'OSTA, Alain Romial Atipo, président de la Fédération congolaise du sport du travail, a rassuré ce dernier sur la disponibilité du Congo à accompagner l'OSTA dans sa politique de développement du sport travailliste africain et amateur. Brazzaville, que vous aviez l'habitude de venir. Et donc sur ce, je vous souhaite une bienvenue à Brazzaville. Et voilà votre bienvenue. Rappelons qu'avant d'entamer la série de travail avec la Fédération, puis de décorer le président général du club multidisciplinaire DGSP, le président de l'OSTA sera reçu en audience par le ministre des Sports.